Ok, y a pas de souci. Moi, mon nom c'est Jimmy Sauveur, président de l'association 87 Moun Lari. Il y a plus de 20 ans que je me bats contre la violence, les gars. Il y a plus de 20 ans que j'essaye de faire des actions. Mais personne ne nous prend au sérieux. Alors, justement, depuis quelques jours, il y a des gens qui sont battus en pile comme ça et certainement qui sont plus pour un fou. Est-ce que tu peux dire que tu n'es pas fou? Ouais, là, je vais vous dire franchement, la population. Comment quand tout le monde a une croix chez eux, et lorsque vous voyez une croix, vous perdez la foi? Comment vous êtes? Si tout le monde est croyant en Martinique, pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un avec une croix, vous pensez qu'il est fou? Ok? C'est pareil, ils ont pris Jésus pour un fou aussi. Ok? Moi, si je marche avec une croix, c'est parce qu'il fallait interpeller la population. Hein? C'était ma dernière chance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, j'ai tout essayé. Lorsqu'on me dit que je ne suis pas organisé, vous savez, depuis quand je m'organise, tout ce que j'ai fait organisé, ça n'a rien marché. Ok? Si là, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une croix, c'est juste pour faire passer un message. Un message fort. Que les gars, parce que la violence, elle est entre nous. Ok, il faut qu'on arrête cette violence, les gars. Si j'ai mis une paire de chaussettes roses, c'est pour dénoncer la violence des femmes. Si j'ai mis une paire de chaussettes noires, c'est pour dénoncer la violence des hommes. Ok, parce qu'il y en a qui se battent que pour les femmes, il y en a qui se battent que pour les hommes. Moi, je vais me battre contre toutes sortes de violences. Ok, contre toutes sortes d'injustices. Ok. Et pourquoi tu as choisi ce parcours-là? Le parcours, c'est quoi exactement? Au fait, moi, j'essaie de faire les quatre points de la Martinique. Ok, dimanche, j'ai commencé, j'ai été vers le Carbé. J'ai fait Fort-de-France-Carbé. Hier, j'ai fait Lorrain, Sainte-Marie, Robert, et là je vais essayer d'arriver à la place des Negmaron aujourd'hui, ok, au Lamantin. Parce que la violence, elle a commencé souvent au Lamantin. Est-ce que tu peux s'en soutenir par les médias, par ceux qui peuvent faire relayer le message? Écoute bien, mon frère, je suis déçu un peu, parce que jusqu'à présent, aucun média n'est venu. Ok, à part KMT, on va dire, pour le moment. Ok, et j'espère que d'autres vont venir. Parce que lorsque c'est pour faire des conneries, lorsque c'est pour. Si j'avais par exemple 5 femmes derrière moi, fesses tournées, ok, string, c'était dehors, tout le monde serait là. Ok, mais dès qu'il s'agit de la bonne cause, on n'est pas là, les gars. Est-ce que tu reçois des messages des gens qui te voient ou des messages positifs ou négatifs, hein? Les seuls messages que j'ai reçus de positif, c'est les coups de klaxon. Parce que tu vois, lorsque quelqu'un klaxonne, c'est une force. Ok, je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux. Mais tu sais que beaucoup de personnes ont partagé le fait que. Oui, le fait qu'ils ont partagé, je suis content. Mais on m'a dit aussi qu'il y a un gars qui a dit que. Il va au travail le matin et comme par exemple, il voit qu'un gars avec une croix, non. Mais après, il s'est rescapé. Quand il a compris le message, il s'est rescapé. Eh ben, ok, eh ben, mon frère, tu sais quoi, je rends pas le mal par le mal. Big up, mon frère, ok. Mais sache que je suis pas fou, ok. Sache que j'ai tout essayé. Regardez, vous pouvez regarder tous les messages. Moi, depuis quand j'ai créé mon association, c'était. Vous savez, c'était qui le président? C'était Chirac, ok. J'ai écrit à Jacques Chirac. Il m'a donné une réponse type. J'ai écrit à Sarkozy. Il m'a donné une réponse type. J'ai écrit à. Hollande, il m'a donné une réponse type. Alors je ne vais pas écrire Macron. Je vais simplement dire à M. Macron de nous inviter à l'Elysée parce qu'il s'est invité des gens à faire des cons. Alors si nous, on est là pour une bonne cause, invite-moi à l'Elysée et je vais te débattre. Et je vais débattre sur tous les problèmes qu'il y a en Martinique. Concernant aujourd'hui, tu vas t'arrêter jusqu'à. Là aujourd'hui, je vais m'arrêter à la place des Negmaron. Ok? J'ai reçu un SMS là qui ne m'a pas trop donné la force. Mais je vais continuer quand même. Ok? Est-ce qu'on peut savoir en quel sens? Non, là c'est un peu personnel. Ok? Mais croyez-moi, dans la vie, écoutez bien, je vais le dire à tout le monde, Martiniquais, Martiniquaise, ok? Si toi, mon frère, tu as un projet, ok? Il faut que ta femme te soutienne. Si une Martiniquaise a un projet, il faut que son mari la soutienne. Je veux dire, la soutienne, ok? Parce que dans la vie, on n'est pas tous nés pour travailler à la chaîne. Il faut qu'il y ait des blacks aussi chefs d'entreprise. Il faut qu'il y ait des blacks qui entreprennent. Ok, l'esclavage moderne, c'est fini, il faut qu'on arrête ça. Tout ça, c'est une sorte de violence. Ok, il y a plein de violences en Martinique et ils sentent très bien à cause de quoi. Quel est le message que tu aurais à faire passer? Moi, le dernier message que j'ai à passer, c'est que Martiniquais, Martiniquaise, allons apprendre à nous aimer comme avant. Allons retourner au temps du love. Ok, il faut nous arrêter jaloux comme nous. Il faut nous arrêter critiquer comme nous. Il faut l'un voisin acheter un gros loto, un gros moto, content bail. Ok, parce que s'il marche à pied, on va pas arrêter bail. Ok, alors si demain matin, il achète un gros loto, un gros moto, content bail. Parce que si vous n'avez pas un véhicule de nos jours, il n'y aura pas un point beaucoup fou. Il n'y aura pas un point bord. Le dernier message que j'ai, les gars, on nous apprend à aimer comme nous. Car c'est l'amour seulement qui peut sauver nous. Ok, et pour tous ceux qui ont volé mes projets, ok, tôt ou tard, je ne rends pas le mal par le mal, mais tôt ou tard, vous allez voir que ce n'est pas la bonne chose. Parce que l'amour kagoumé pour le bien, aidez à faire le bien. Ok, aidez à faire le bien, maman. Ok, et je ne suis pas fou. Je le répète, je ne suis pas fou. Tu vas continuer encore demain ou après demain? Franchement, je vais vous dire franchement, non. Parce que le regard des gens, ok? Un gars qui se bat contre la violence, on ne peut pas le traiter de marginal.
On ne peut pas dire qu'il est fou. On ne peut pas le traiter de clochard. Okay? On ne peut pas lui dire ceci, on ne peut pas lui dire cela. Comme tu vois, ça, c'est pas un klaxon positif. Il y a des klaxons positifs et des klaxons négatifs. Okay? Alors, tous les gens qui m'ont klaxonné positif, merci. Okay? Mais écoutez bien, si je me bats, c'est parce que j'aime mon peuple. Et si je critique un jour mon peuple, c'est pour qu'il change. Parce qu'on a le droit de dire à un jeune, s'il fait une bêtise, s'il fait une bêtise. Avant, si tu disais à un jeune qui fait une bêtise, le voisin va lui dire, ok mon frère, là, écoute ce que gars. Maintenant, si tu dis à un jeune d'arrêter de faire une connerie, ou un jeune ou un vieux, ou quel que soit la chose, et je veux aussi que tu filmes les bandanas. Parce que les bandanas, c'est une pensée à tous les gangs de la Martinique. Ok? Pour leur dire, les gars, on nous a arrêté ben, les gangs tard. Ok? On nous serait qu'on nous l'écoute parce que c'est une maman antillaise qui pleure lorsque son enfant est en prison. Et c'est une maman antillaise qui pleure lorsque son enfant est en bataille. Un papa antillais aussi. Ok? J'aime mon peuple, les gars. Big up, KMT. Ok? Respect.